C'est qui ça? Ça ou FPR? J'en sais rien. Toda! Les machettes là! Tombe les machettes! Et toi, Toda! Toda! Vous faites quoi avec ces machettes? Vous alliez où comme ça? Vous parlez français? Y'a quelqu'un qui parle français? Et toi là, le soldat là, où est-ce qu'il est ton chef? Il est où ton chef? Le chef est par là-bas? Ah bro, faites garder les prisonniers. Reçu, commandant. Et toi, tu m'emmènes là-bas. Allez. Allez, n'est pas ici tous les deux. Qu'est-ce que vous faites ici? On essaie de déloger des rebelles qui se trouvent dans des collines en face. L'FPR? Ouais, des rebelles. Vous bombardez des civils? Ce ne sont pas des civils, ce sont des infiltrés Tutsis. Allez, dégage! Je croyais que les Français étaient nos alliés. Tu entends ce que je te dis? Tu dégages! Organisez un nouveau point de récupération et faites raccrocher le groupe. Est-ce qu'on fait des prisonniers? Laissez-les partir. Part. T'aurais pas une cigarette par hasard? Non, désolé. Je peux vous parler, commandant? Allez-y. C'est un peu compliqué. Pas trop, j'espère. Quand j'étais à Kigali en 92, j'ai fait la connaissance d'une jeune femme. Elle travaille au centre culturel français avec son frère. Il s'appelle Thérèse Kabogo. Et alors? On a une relation. Ça me regarde pas. Non, je sais. Je voudrais savoir ce qu'elle est devenue. Et c'est à moi de vous demander ça? On se trouve à une dizaine de kilomètres du village où elle est née. Tout ce que je vous demande, c'est l'autorisation de nous arrêter dans ce village pour faire une enquête. Dans ce village, il y a un prêtre français, Père Blondin. Il pourra nous aider. C'est un grand honneur que vous nous faites et c'est au nom de l'amitié entre le président Mitterrand et notre défunt président Berimana que nous vous souhaitons la bienvenue à Mugata. Philippa, je te donne une demi-heure. Merci, commandant. Si vous acceptez de rester quelques heures avec nous, je vais organiser un petit spectacle avec les danseurs du village. Désolé, c'est non, monsieur le maire. Ah, dommage. Vous savez, je connais très bien Paris. Quelle ville magnifique. Je pourrais vous parler du musée du Louvre pendant des heures. Une autre fois, peut-être. Vous savez, ici au Rwanda, plus qu'ailleurs, une église, c'est un vrai refuge. Ils étaient persuadés que les miliciens n'oseraient pas. Moi aussi, je le croyais. Mais cette fois, ils sont entrés. Toutes les familles ont été massacrées. Celle de Thérèse aussi. Son père, sa mère, ses deux oncles, son frère Antonin, qui avait 16 ans, sa sœur Anastasie, et Jean-Paul, le mari de Brigitte, lui, ils l'ont tiré dehors. Ils lui ont d'abord coupé les pieds. Ils lui ont dit, maintenant qu'on t'a raccourci, tu ne regarderas plus de haut. Vous n'avez pas de nouvelles de Thérèse? Aucune. Et toi, tu ne sais rien? Non.
Mon cher Rémi, je confie cette lettre au dernier Français qui va être évacué du centre culturel. Il m'a promis de te la poster quand il arrivera à Paris. Ce matin, les derniers parachutistes français nous ont abandonnés à notre sort. Ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas reçu l'ordre de nous amener avec eux. André les a insultés. Tu le connais. Maintenant, notre seul espoir, c'est ton ami Théodore. Je n'arrive pas à lui joindre au téléphone. On me répond chaque fois qu'il est très occupé. Dès que tu auras reçu ma lettre, appelle-le et dis-lui qu'on est une vingtaine de réfugiés et qu'on va se faire tuer s'il n'intervient pas très vite. Voilà. Il ne me reste plus qu'à prier. Je pense très fort à toi, Thérèse. Le père Blondin voudrait vous parler. Très bien. Voilà, c'est là qu'ils les ont jetés. Au moins 300 personnes. C'est qui, il ? Le bourgmestre qui vous a accueilli tout à l'heure, des gens du village et des gendarmes. Ils sont toujours là ? Les gendarmes, non. Ils sont partis après le massacre. Ils sont allés ailleurs, à Kirambo, à Gisuma, à Gafunzo, là où il y avait la garde présidentielle. Et les autres ? Ben, certains sont là. Vous voyez, celui qui a une petite casquette marron, c'est Alphonse. C'est lui qui a coupé la tête et il l'a balancé au chien. Il vient de se confesser. Bien sûr. Mais il ne parle jamais de ça. Ils n'ont rien à se reprocher. Le bourgmestre leur a tellement répété que tuer des Tutsis, c'était une bonne action. On va vous emmener à Kirambo. Vous y serez en sécurité. Ça fait 32 ans que je vis ici, à Mugata, avec mes fidèles. Vous les appelez toujours vos fidèles ? Ma place est avec eux. Vous savez que votre vie est en danger. J'ai vu tellement de gens mourir autour de moi. Je n'ai plus peur. Tu veux pas ouvrir la fenêtre, s'il te plaît? Si je l'ouvre, on va se faire bouffer par les moustiques. Mais alors, tu fais un effort, t'arrêtes de fumer. Écoute, je sais pas comment tu fais, mais moi, j'ai besoin de ça pour tenir. Mais t'es chiant, hein? Je sais. Au journal aussi, j'en ai marre. Trop d'horreurs, trop de détails. Ça les emmerde, mais moi, je continue, là. Tiens, écoute ça. J'ai vu des papas qui enseignaient à leurs garçons comment couper. Il leur faisait imiter les gestes de machette. Ils montraient leur savoir-faire sur des personnes mortes ou sur des personnes vivantes qu'ils avaient capturées dans la journée. Le plus souvent, les garçons s'essayaient sur des enfants, rapport à leur taille correspondante. Je te lis la suite. Bon. Je te laisse respirer. Éteins ta lampe, connard! Éteins ta lampe! Je suis Gosselin, journaliste! C'est Gosselin, mon colonel.
Vous n'êtes pas couché, vous? Non, je fais comme vous, je bosse la nuit. On appelle ça bosser? Qui c'est, lui? La Tutsi qui a passé un mois caché dans un placard. Comment vous appelez? Attendez, plus tard, plus tard. Pour l'instant, on le ramène au camp. Suivez-nous si ça vous intéresse. Je suis le seul survivant de la paroisse de Niachak. Quand les massacres ont commencé, j'essaie de me cacher chez les religieuses de Saint-François. Je les connaissais bien, mais elles m'ont fermé la porte. C'est le jardinier du couvent qui m'a caché dans sa maison. Un Hutu qui a risqué sa vie tous les jours depuis plus d'un mois. Vous connaissez son nom? Je ne sais pas. Vous pouvez parler maintenant, vous êtes en sécurité. Je ne sais pas. Comment ça, vous savez pas? En 93, j'ai vu des soldats français à Kigali qui contrôlaient les routes. De temps en temps, ils mettaient des gens sur le côté. Des Tutsis. C'est le boulot des miliciens, quoi. Non, mais je peux pas vous laisser dire ça! Je les ai vus, monsieur. Vous pensez que je mens? Écoute-moi, toi. On vient de crapahuter de nuit sur 12 bornes pour te sauver. Je ne dis pas le contraire. Et je vous remercie infiniment. Mais je ne comprends pas. Tout ça est absurde. Hier, vous étiez les complices des Hutus. Aujourd'hui, vous êtes les sauveurs des Tutsis. Tu me fais chier, toi. Tu le sais que tu me fais chier? Bon, écoutez, ça suffit maintenant. Il a raison, non? Moi aussi, en février 93, j'ai vu des barrages à la sortie nord de Kigali, tenus par des militaires français qui contrôlaient les identités. Arrêtez de nier! Allez plutôt demander à des gens comme Rambert ce qu'ils foutaient là-bas! Vous savez ce qu'ils vous répondront? Ils vous diront qu'ils faisaient leur boulot. Pour eux, il n'y avait aucun problème. Gosselin! Gosselin, deux secondes! Moi aussi, je fais mon boulot et j'en suis fier. Et même si je dois sauver un seul amant de moi, ce sera toujours un homme de sauver. Vous l'écrirez, ça, dans votre canard? Vous préférez des ragots? Ce sont pas des ragots. Plein de témoignages vont dans le même sens. Même s'il y a quelques soldats qu'on déconne, c'est pas une raison pour en faire une généralité. Mais personne n'a déconné. À l'époque, tout le monde trouvait ça normal. L'ennemi déclaré, c'était le FPR et les infiltrés Tutsi. Bachaumont et Rambert, vous croyez que ça les fait bander, la neutralité? C'est vraiment un emmerdeur. Oui, c'est ça aussi, un journaliste. Allez, à demain. Certainement pas. Demain, je veux pas vous avoir dans mes pattes. Ben, ça risque pas. Parce que nous, on grimpe à Bicécéro. Il paraît qu'il y a des massacres qui continuent dans les collines. Qui vous a dit ça? Mais des journalistes. Ils font aussi leur boulot, figure. C'est où, ça, Bicécéro? Bonjour, mon colonel. Comment ça va? Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce type? Il a trop travaillé. C'est dur, vous savez. Il est fatigué. Et moi aussi, je suis fatigué. Mais je suis l'autorité. On a entendu des tirs dans les collines. C'est exact, chef. On a réussi à tuer quelques Tutsis. Au moins 50. Et voyez la maison là? Et celle-là aussi. Et là en bas. Et il y en a d'autres là derrière. Ouais. C'était leur maison. On a tout brûlé. Ouais. Et lui, c'est Athanas, l'instructeur du village.
C'était courageux. Bien sûr, mais il descend des collines le soir pour nous attaquer. Nous, on se défend, c'est normal. Il a même été obligé de tuer tous ses élèves Tutsi. C'est obligé, les enfants des complices sont des complices. Des complices de quoi? Du complot, madame, c'est pour ça qu'on les extermine. Il n'y a pas d'autre moyen. Ici, tout le monde est armé. On part le matin avec les villageois et tous les Tutsis qu'on trouve, on les tue. On a des ordres. Des ordres de qui? Du docteur Kaïchema. Le préfet de Kibouye? Oui, monsieur. Il est venu lui-même pour nous féliciter du bon travail. Pourquoi vous me regardez comme ça? Regarde-moi vos yeux, mon Dieu. Ne me prends pas pour un imbécile. Hein? Je suis un grand ami de la France. Je connais bien les auteurs, La Fontaine, Le Renard et Le Corbeau. Maître Corbeau sur un arbre perché, tenait à son bec un fromage. Et Molière. J'aime beaucoup Molière. Je peux vous réciter Le Bourgeois Gentilhomme. Et vous avez assassiné vos élèves? Ils ne méritaient pas de vivre, messieurs. À l'école, il y en avait 80. Aujourd'hui, il reste 25. Je suis très fier, moi. Hein? Et moi-même, avec mon fusil, j'ai tué 10 malfaisants. C'est vrai ce que dit la radio. C'est pire que des cafards. Ce sont eux qui renseignent les troupes du FPR. Vous entendez? Ils continuent. Ils sont partout. Pour la Bicécéro, c'est par là? Non, c'est pas par là. Il faut prendre la petite route. Pourriez nous servir de guide? Ah non, c'est pas possible. Je dois protéger les gens du village. Et vous? Non, non. Je dois rester ici avec ma famille. Bon, allez, ça suffit, on décroche. Au revoir, mon colonel. Comment vous appelez? Moi, c'est policier Jacques. Jacques. Vous pouvez nous laisser 5 minutes, on cherche un guide. Parlez français? Vous parlez français? Oh, yeah. La route de Bicécéro, c'est par là? Oh, yeah. Il y a quelqu'un qui parle français? Vous parlez français? Laure, je te prends une bière? Non, merci. Ça va un peu? Ça va? Oui, ça va. J'ai juste mal au ventre. Hé! Hey. Allez, embarquez! On repart, hein? C'est qui, lui? Monsieur Touadiarezou, responsable de la cellule de Moubouga. Et vous l'arrêtez? Ben non, bien sûr que non, il va me servir de guide. Lui aussi est très fatigué, mais cette fois, je lui laisse pas le choix, il va venir avec nous. Pourquoi vous êtes fatigué, monsieur? La peur, monsieur. C'est la peur qui me fatigue les nerfs. Là-bas, sur cette colline, c'est le rebelle. Ils sont nombreux, et la nuit, ils descendent pour nous attaquer. Pour l'instant, ils sont cachés là-haut. À Bicécéro? Oui, à Bicécéro. Ok, c'est parti, on y va. Vesla, mettez votre caisse entre les deux P4.
des civils à 3h dans les bois. Halte ! Ceux-là, il faut les tuer. Aider. On peut plus tenir. Vous êtes quoi? On est Tutsi. Je m'appelle Antoine Mouir. Vous savez qui est cet homme? C'est le chef d'un milicien. Il était avec mon préfet, je l'ai vu. Il a tué mon frère, ma soeur, de ses propres mains. C'est faux, ne l'écoute pas. Cet homme sera jugé. Jugé par qui? Par vous, les Français qui l'ont protégé? Je vous dis que cet homme sera jugé. Mais venez voir ce qu'ils nous font. Venez voir, venez voir. Regardez. Regardez vous-même. Des charniers comme ceux-là. Il y en a partout. Notre colline est devenue un cimetière. Voyez vous-même. Que des cadavres. Regardez. On va vous descendre à Kibouye, comme ça vous pourrez témoigner. Non, non. On reste avec eux. Et vous aussi, il faut rester avec nous. Non, je ne peux pas. J'ai pas assez d'hommes pour vous protéger, vous comprenez? Il faut que je prévienne mes supérieurs. Mais des survivants comme lui, il y a des centaines et des centaines dans ces collines. Je suis désolé, je peux pas faire autrement. On reviendra, plus vite possible. Et c'est quand le plus vite possible? Je sais pas, on reviendra. Maintenant, on sait où vous trouvez. Et le fait que nous soyons passés va peut-être calmer les choses. Quand vous reviendrez, vous ne trouverez que des cadavres. Je vous promets qu'on va faire vite. S'il vous plaît, messieurs, ne partez pas. Si vous restez avec nous, ils n'oseront pas. Mais ils sont où, bordel? En ce moment, ils nous regardent. Ils savent que vous êtes là. Alors, ils ne font rien. Cachez-vous, vous pouvez, vous comprenez? Ici, je peux rien faire. Je dois prévenir mes supérieurs. Vous nous condamnez à mort! Vous ne m'allez pas plus qu'eux! Comment vous vous appelez, monsieur? Antoine Mouir. Passe-la, maniez-vous! Excusez-moi, vous êtes bien le préfet de Kibouye, docteur Kaïshema? Je peux vous poser une question? Je m'appelle Christophe Gosselin, je suis grand reporter au Matin. Monsieur le préfet, on dit que vous avez fait massacrer 2000 Tutsis dans l'église Saint-Jean. On parle de 9000 autres sur le terrain de foot. On raconte que vous-même avez tiré le premier coup de feu. Bonsoir. Bonsoir. Gosselin, journaliste.
Vous me connaissez? Oui. Je viens voir le colonel Arache. C'est urgent? C'est important. Ça peut pas attendre demain. Vous étiez à Bicécéro avec moi. D'après vous, ils peuvent tenir combien de temps là-haut? Bougez pas. Vous dites quoi, Arech? Il est au téléphone. Vous êtes au courant de ce qui se passe à Bicécéro? Écoutez, Gosselin, on a prévu un point presse demain. En attendant, vous nous foutez la paix, d'accord? Il nous a demandé d'être sympa avec les journalistes, mais il y a des limites. C'est quoi, les limites? Je viens de voir à l'instant le préfet Kalishema. Il se balade tranquillement, il n'a pas de limites, lui. Vous devriez vous renseigner. On verra tout ça demain. Et qu'est-ce que vous verrez demain? Le ministre de la Défense? C'est quoi, votre problème, là? Cédric! Tu me le vires! Ça va, je peux sortir seul. Alors? Alors quoi? Qu'est-ce qui décide, vos supérieurs? J'ai transmis mon rapport. Et la réponse? J'ai reçu l'ordre de me tenir prêt pour l'arrivée du ministre. Et Bicécéro? On les laissera pas tomber. Maintenant, vous rentrez dans votre hôtel, vous avez rien à faire ici. Vous savez à quoi je pense en ce moment? On s'en fout! Ça va! Lâchez-moi! Bonjour, vos confrères sont au pied des tribunes. D'accord. Très bien. Bonjour. Bonjour. Ça va, pas trop dur? Merci. Je m'appelle Laure. Moi, c'est Cédric. Et ton secteur? Monsieur le ministre, 7 jours après le début de l'opération turquoise, où en sommes-nous? Eh bien, comme l'a dit lui-même notre ministre des Affaires étrangères, le premier objectif est d'ores et déjà atteint, puisque les populations menacées ont pu être rassurées. J'arrive à l'instant du camp de réfugiés de Niaroushichi, où j'ai pu constater l'excellent travail de nos troupes. Monsieur le ministre, comment expliquez-vous que la France soit le seul pays actuellement présent au Rwanda? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'autres pays candidats, ni en Afrique, ni ailleurs. Mais nous n'avons pas vocation à être les gendarmes du monde. Que les choses soient claires, notre vocation n'est pas de rester, mais de partir, de laisser la place à des organisations humanitaires et, si possible, à des Africains, car c'est une crise africaine qui doit être au maximum gérée par des Africains. Monsieur le ministre, en ce moment même, dans le secteur de Bicécéro, il y a des milliers de Tutsis qui se font massacrer. Que comptez-vous? Non, laissez-moi d'abord prendre connaissance de la situation. Merci à tous. Merci. Monsieur le ministre, je connais la situation, je peux vous en parler. Mais laissez-moi lui parler, là! Monsieur le ministre! Oh, ça va, je vais pas l'agresser, là! Monsieur le ministre! Retenez ce nom, Bicécéro! Oui, tout à fait, rejoignez le colonel Bachelot. Bien. Il s'excuse de ne pas pouvoir être là. Très bien. De nombreux véhicules militaires rwandais arborent le grand drapeau français. Hey, là! Les soldats gouvernementaux s'abritent derrière. Point final. Ça va, tu as tout? Bah fais ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah ok, je te rappelle demain. Insensé. Nick, it's free now. Ok, cheers. Ils en ont mais strictement rien à foutre. Ils sont plus préoccupés par les histoires de grève de routiers avant les vacances. Si, et le mondial. Je viens d'avoir une info. Ouais. Ils vont pas à Bicécéro demain. Qui t'a dit ça? Cédric. Qui? Cédric, le petit des commandos marines. Et ils font quoi? Ils vont dans un village exfiltrer des Tutsis qui sont cachés chez un prêtre français. Et Arech? Arech, lui, doit évacuer des religieuses de leur couvent. Je sais pas où. C'est tout?
Ouais, c'est tout. Mais alors, personne ne va à Bicicero demain? Non, personne. Dans le village qu'on recherche. Reçu. Rogerie ! Débarqué ! Continue à gauche. À gauche. Farjo. Yankee Lima. Yankee Lima. Beaucoup de cadavres de civils dans le secteur. On continue la progression. Reçu. Terminé. Allez les gars, on se casse. Commandant, oui. Il y a des blessés, c'est grave. J'ai des gens avec des lances et des machettes, là. Ouais, ben la même chose, là, pour moi. Pareil pour moi. Personnel dans vos secteurs. Doucement, les gars, doucement. Je pense que c'est des Tutsis. Du monde en face. Farjo. Yankee Lima. Yankee Lima. À Yankee Lima, nous sommes en 57-54. Blessé.
blessés et des morts. Des centaines de miliciens sont face à nous. Je peux sécuriser la position pendant 2 ou 3 heures. Je vous demande la conduite à tenir. Restez sur zone. Je lance les secours et je vous rejoins. Reçu, mais faites vite. C'est tendu dans le coin. Augerie, le commandant nous rejoint. On s'installe pour durer. Parti Morvan, partant en reconnaissance des alentours. Retour dans une demi-heure. Ok, ça marche. Parjo ! On va s'occuper de vous. On prend la place de Marty. On va s'occuper de vous. T'as peur de quoi, là? Des morts ou des vivants? Tiens, viens voir. Voilà ce qui reste après le passage des vivants. Et viens, on se casse. Allez, viens. Je vais essayer de vous désinfecter, détendez-vous. Détendez-vous, monsieur, on va vous désinfecter. Ça va, les gars? C'est bon de rien? C'est bon? André? Il y a un problème, Philippa? Non. C'est bon, commandant. On est installé pour la nuit. Les hommes sont en poste par binôme. Concernant les premiers soins, on a donné toutes les rations de secours et on a utilisé 80% du stock médical en perfusion, morphine et pansements compressifs. Très bien. Je viens d'avoir Bachaumont. Il nous envoie à l'aube une cinquantaine de légionnaires. Dites à vos hommes qu'il n'est pas question de fermer l'œil cette nuit. Bien sûr, commandant.
faut qu'on se parle. Explique-moi, je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Parle-moi moins de Thérèse. C'est maintenant que tu t'intéresses à Thérèse. Elle est vivante? Quand les paras nous ont abandonnés au centre culturel, une heure après, il y avait une cinquantaine d'interams, oui, avec des machettes et des casse-têtes. Ça va, j'ai compris. J'ai toujours leur cri dans ma tête. Des coups de feu. Et les cris de Thérèse qui n'en finissaient pas. J'avais vidé un placard sous des étagères de la bibliothèque. Je suis resté au moins 6 heures à étouffer là-dedans. Et j'ai entendu la voix de ma sœur qui les suppliait de la tuer. Ils l'ont clouée contre un mur, jambes écartées. Et ils l'ont violée. Et à la fin, ils lui ont enfoncé un gourdin dans le vagin. C'est comme ça qu'elle est morte, en se vidant de son sang. Quand j'ai reçu sa lettre, j'ai téléphoné à Théodore, je te le jure. Mais je te crois. C'est toi qui les as tous livrés. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ton copain, le capitaine Théodore Ouboneka, qui commandait l'assaut ce jour-là. Il encadrait les miliciens avec une dizaine de soldats de la garde présidentielle. C'est bien toi qui les as formés, non? Les commandos marines sont arrivés hier, en fin d'après-midi, dans le secteur de Bicécéro. Ils ont tout de suite compris la gravité de la situation et ont appelé du renfort. Ils ont passé la nuit dans le brouillard, à plus de 2000 mètres d'altitude. Maintenant, les survivants Tutsi sont sortis d'affaires. Ils n'ont plus peur et perdu de reconnaissance à l'égard de ces soldats français. The Mobile Army Hospital at Kibuye is overwhelmed by the number of wounded arriving hourly. Already stretched to the limit, the medics here are doing their best in trying conditions. Il y a deux mois, qu'elle venait à moi, les militaires nous pourchassent. Ils nous ont attaqué militairement. Je peux vous poser une question? Allez-y. Quand j'étais avec le lieutenant-colonel Arèche à Bicécéro, on est tombé sur des survivants, dont un certain Antoine Mouilleret. Ça vous dit quelque chose? Pour le moment, on n'a relevé aucune identité. On part au plus pressé, tout s'est fait dans l'urgence. On est arrivé là-bas par hasard. Par hasard? Ah oui, par hasard. On s'était perdu. Très bien. Au revoir, mon général. Messieurs, la zone humanitaire que nous avons délimitée a reçu officiellement l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU. Le problème, c'est que Boutaré n'est pas dans cette zone et que la ville va tomber aux mains du FPR dans les prochains jours. C'est pas encore joué. Arrête de rêver, Amber, je te dis que l'assaut est imminent. Mais ça ne doit pas nous empêcher de continuer notre mission. Pour l'instant, il s'agit d'évacuer 800 enfants Hutus d'un orphelinat de Boutaré. Cormery, vous emmènerez les enfants jusqu'au Burundi. Rambert, tu ouvriras le convoi. Le FPR est au courant? On a négocié un cessez-le-feu de 24 heures. Je peux savoir qui négocie? Le général Pommier, de la Minuar. Alors on peut lui faire confiance, il fera tout pour que ça foire. T'es vraiment désespérant, mon vieux. Je suis d'usine. Et s'il y a un accrochage? Vous ripostez. Caméra,
Mutsinguri Nesta! Colonel Rambert, vous venez nous aider comme à Biomba? Je connais. Capitaine Muzilele, la colonie de Tumba. Vous vous souvenez? Ah oui, ça me revient. Ils ont bien dégusté ce jour-là. Hein? Vous nous amenez des munitions? Non. Dommage. Le général Cabera? Là. On part dans 5 minutes. Reçu, mon colonel. Tiens, regarde. Elles ont été prises il y a moins de 24 heures. Vous avez aucune chance. Vous êtes pris en tenaille. Quand ils donneront l'assaut, vous tiendrez pas 2 heures. C'est foutu. Casse-toi le plus vite possible. Au Zaïre ? Bien sûr, au Zaïre. La zone humanitaire survient d'être agréée par les Nations Unies. Je ne me laisserai pas désarmer. Il n'est pas question de vous désarmer. Bachaumont nous l'a confirmé. On laisse passer les troupes rondes au Zaïre et on n'intervient pas. Sauf si elles menacent les personnes protégées, évidemment. Une fois là-bas, tu te referas une santé. La guerre n'est pas perdue. Je t'assure, tu prendras ta revanche. Crois-moi. Récupérer les derniers enfants, donc je suis là dans 2 minutes. À tous, FPR en vue. Environ une compagnie, a priori de l'hostile. On continue. On attend mes ordres. Tranquille, les gars.
We need to inspect your convoy, Colonel. It's a humanitarian convoy under the auspices of the United Nations. The United Nations did not do one thing to stop genocide. We won't discuss this matter. It's out of the question for you to look into the tracks. According to our secret services, you allowed people into the convoy being there such as the Mayor of Mogata. This is absolutely untrue. He is accused of having committed numerous massacres. He's not here. Our services are never wrong, Colonel. Please come with me and let's check it out together. Cormorant, ils sont complètement parano. Ils disent qu'on transporte un passager clandestin. Impossible. Les ordres étaient très clairs. Une vingtaine de civils avec les enfants. Qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas vraiment le choix. Hein. Laissez-les fouiller. You don't control your boys very well. Should be happy only one of them was wounded. We'll take care of him. We don't need any help. As you wish. You're allowed to leave. We've got what you're looking for. Allez, on repart. C'est plus notre problème. Je suis venue prendre de vos nouvelles. J'ai gardé ma jambe. Et vous, ça va? Je rentre à Paris aujourd'hui. Vous avez fini votre boulot? Non. J'y arrive plus. Moi non plus, j'y arrive plus. Je vais quitter l'armée. Vous êtes sérieux? C'est dégueulasse, la neutralité. C'est le pire des mensonges. Il faut mieux que je me casse d'ici, sinon je vais devenir dingue. Il vous reste de la pellicule ? Oui. Ce sera ma dernière photo au Rwanda.